C'est les couleurs qui s'imposent à moi. Et c'est eux qui dirigent mon travail. Et c'est eux qui peuvent être une idée. C'est vrai parce que bon, on croyait que toujours on vient, c'est-à-dire comme un savant, enfin préparé, non enfin, c'est la peinture, surtout la peinture, c'est une écriture qui est bon, spontanée, enfin elle est beaucoup plus... Si elle s'y plaît par elle-même, parce qu'elle était, enfin, elle était sincère. Je peux, c'est-à-dire, vous les interpréter chacune d'une centaine de fois, si je veux, c'est-à-dire, parler de la peinture, parce qu'elle-même, elle parle. Et j'aurais aimé toujours, c'est ce que faisaient certains. Ce qui est d'ailleurs toujours très intéressant chez lui, c'est qu'on retrouve en effet, si vous voulez, les mêmes figures, à peu près les mêmes symboles, mais à chaque fois on a l'impression que c'est transfiguré, c'est transformé. On a l'impression à chaque fois qu'on a affaire à un nouveau récit qu'il développe à partir des mêmes éléments. Alors forcément, là, comme vous demandez sur les couleurs, sur les formes, effectivement, chez lui, c'est très significatif parce que ce n'est jamais formel. Ça a toujours un rapport avec non seulement, si vous voulez, la densité émotionnelle qu'il veut transmettre, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne peut pas être indifférent devant tout ce qui se présente, mais aussi c'est en rapport aussi avec toute une mémoire. Une mémoire culturelle, une mémoire picturale qui renvoie à différents horizons culturels. C'est à la fois, effectivement, les éléments des anciennes mythologies, ça peut être aussi des textes ou bien des figures et des images mystiques, ça peut renvoyer même à d'autres aires culturelles, comme chez Mohamed Diab. Une assez forte présence quand même aussi de la culture russe, de la culture du Moyen-Orient. Donc tout ceci, chez lui, ce n'est jamais gratuit, quoi. Ceci dit, effectivement, chacun de nous est libre de ressentir ce que chaque œuvre, évidemment, suscite en lui.